Salut, salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler des domaines, domaines de clans, îles civilisées, domestiquées, enclaves. Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous êtes nombreux, nombreuses à m'avoir demandé une vidéo sur le sujet. Donc, on va voir ça ensemble, tranquillement, sans prétention. Nous découvrons tous le jeu, donc le but c'est de s'entraider. Alors, comme vous pouvez le voir, là, vous êtes sur mon domaine à moi. Je fais une petite visite guidée. Le petit coin agriculture avec le petit arroseur des familles. Hop, voilà. On va mettre un peu d'engrais. Il faudra que j'aille récolter après. L'enclos de dressage, de domptage, double maison. Et le pique-nique, hein, super important. Ça, c'est vraiment l'achat bien rentabilisé. Les coffres, l'endroit pour dodo. Et ici, un petit pack bonus qui permet d'avoir pas mal de stats en plus. Enfin, bref, domaine civilisé, domestiqué, enclave. Vous êtes pour beaucoup un peu perdu au début quand vous commencez parce que vous ne savez pas ce que c'est. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément très très bien expliqué. On ne sait pas trop quoi faire au début. Donc, c'est très très simple. L'île domestiquée, c'est une île privée. C'est ton île. Tu fais ce que tu veux dessus. Pense toujours à bien modifier les droits, parce que n'importe qui peut venir sur ton île et la détruire, si, enfin détruire toutes les constructions qu'il y a dessus, si tu ne verrouilles pas les droits. Donc, amis proches, moi j'ai laissé ces droits-là. Déjà, même moi je suis restrictif sur les amis proches. Les amis tout court, les trois cases là, ça suffit. Aux étrangers, zéro. Hein. Boum. N'oubliez pas, faites super attention aux droits, faites super attention à qui vous invitez comme ami, puisque n'importe qui peut venir chez vous et tout détruire, tout, 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 votre maison, vos champs, vos bâtiments, tout, 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 tout. Donc vérifiez bien vos droits. Alors, l'île domestiquée, c'est votre chez vous, vous faites ce que vous voulez. Le conseil, c'est de prévoyez quand même un endroit où il y a beaucoup de place. Hein, vous voyez. J'ai encore tout ça si je veux la développer. Vous avez vu, il y a de la place. Donc, je pense pas que j'arriverai à avoir tout ça. Je ne sais pas de combien on peut l'augmenter. Mais voilà. Il y a encore de la place. N'allez pas vous mettre dans un endroit où il y a des rochers, où vous allez être bloqué. Vous voyez par exemple ici, ça aurait été balourd derrière. Donc choisissez bien l'endroit pour démarrer. Voilà. Ensuite, vous pouvez agrandir votre domaine si vous le désirez ici. Vous pouvez réinitialiser une fois par jour gratuitement. Donc, profitez-en pour réajuster votre base. Faites quelque chose de propre, de sensé, qui vous plaît. Surtout, hein, vous êtes là pour vous amuser, pour faire quelque chose qui vous plaît. Ensuite. L'île civilisée, c'est là où ça se corse. Il faut savoir qu'à partir d'un certain level, donc je crois que c'est de mémoire à partir du level 30, vous pouvez commencer à aller sur ces îles. Une île civilisée, c'est une île où tout le monde peut aller. Tous les joueurs peuvent aller dessus. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Et c'est sur cette île-là que il est conseillé de poser son enclave de clan. L'enclave de clan, pour faire simple, c'est un grand mot, mais on va dire c'est l'endroit qui réunira tous les joueurs de votre clan. Hein, c'est censé être un truc sympa, communautaire, où chacun partage, échange. Vous allez mettre les bâtiments de clan, les entrepôts, etc. Et vous pouvez vous retrouver tous ensemble. Donc ça reste une île, mais où vous êtes tous ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la photo, sur la map, pardon, vous avez mon domaine ici, on va dire que c'est du bleu turquoise. Donc ça, c'est mon domaine. Je m'en suis pas encore occupé parce que je suis en train de monter un deuxième level 60 afin d'optimiser avec les métiers. Je vous montre de suite, hein, parce qu'il y a les gens qui parlent et il y a les gens qui font. Vous voyez? Level 60, ça c'est le perso que j'ai. Et Overgood, le deuxième, il est déjà level 48-49, hein, parce que j'aime bien terminer
mes soirées à 1 cm du dernier niveau. Donc là, je donne un coup, je tue 2 mobs, je suis 49. Donc voilà. Donc comme quoi aussi, mon tuto pour XP vite fonctionne très très bien. Hein, le jeu est à peine sorti, j'ai déjà presque 2 levels 60. Donc vous pouvez le faire, c'est pas du blabla. Donc comme tu peux voir, je me suis pas encore occupé vraiment de mon domaine, j'ai juste posé 2 maisons. Et voilà, mais j'aime bien ce petit côté un peu champêtre. Je vais essayer de faire de le cultiver, justement, de garder ça et de construire entre et de faire un petit coin nature. C'est mon délire, donc je laisse bien pousser. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, tu as. Je vais mettre une monture, ça va être plus rapide. Tu as les clans, les domaines des poteaux du clan. Donc là, il y a Sin, là, il y a Fatality. Tout en orange, voilà, c'est eux, c'est leur domaine. Ils sont tout autour de l'enclave que je vais te présenter bientôt. Là, on a Tyran 58. Ils ont tous construit leur petit truc. Le Ben. Voilà. L'histoire, c'est de poser son petit domaine. Hein, on l'a pas encore développé à fond, puisque bah, on est tous dans une phase où on XP ses métiers, on XP son perso, pour certains encore. Donc priorité, l'optimisation. Après, faire un joli domaine, des fleurs, des trucs comme ça, des barrières, des clôtures, ça vient plus tard. Donc là, vous avez les domaines sur l'île civilisée. À savoir que tout le monde peut aller dessus. Il se peut que, je sais pas, Tata Odette vienne et pose sa maison ici, par exemple. C'est possible, ça me ferait chier, mais c'est possible. Mais non. J'ai quand même bien construit mon enclave pour que j'ai encore de la place pour grandir. Donc ça, c'est l'enclave que tu vois tout en vert. Il faut savoir qu'au début, tu es limité. Tu peux pas construire autant de carrés et de parcelles que tu veux parce que tu payes un loyer. Hein, n'oubliez pas, on paye un loyer. Ça, c'est super important de comprendre. Donc là, tu as le clan. 56 000. Donc ça veut dire que tous les 5, 6, 7 jours, on paye un loyer. Attention, c'est pas comme une île domestique où chacun fait ce qu'il veut. C'est gratuit, tout va bien. Non, non, là, tu payes un loyer. Donc, plus tu as de parcelles, donc tu vois la taille du truc, plus tu payes cher. Donc, il faut que tes membres participent. C'est pour ça qu'il est proposé de faire des dons. Et nous, en don, on est... Alors là, tu as l'option faire un don. Nous, on a déjà 3 505 000 de côté. À moi tout seul, j'ai 1 287 000. Donc déjà, on va le faire un petit don à la famille. Voilà, devant tout le monde. Bim. Voilà, on se met de bonne humeur. C'est le matin, on fait un petit don. Ok, donc c'est super important parce que plus tard, pour évoluer, tu vas devoir payer. Tu vas avoir des... par exemple, on va regarder ça ensemble. Tu vas avoir des niveaux que tu augmentes. Donc là, on est niveau 10 bientôt. C'est là où ça va commencer à devenir sympa parce qu'on va passer à 30 membres. Là, on n'est qu'à 20. D'ailleurs, vous pouvez tous et toutes postuler, nous rejoindre. Vous m'écrivez en privé, Overgood TV. Le clan, c'est Team McFleury. On ne s'est pas pris la tête. Mon perso, c'est... vous m'écrivez sur celui-là si vous voulez. Overgood TV, 15-19 la fréquence. Overgood TV 15-19. Vous m'écrivez. Là, on va bientôt passer level 10. Il y aura 10 slots de libre. Donc, 10 personnes vont pouvoir nous rejoindre. Si vous êtes level minimum 40, vous pouvez nous rejoindre. Temps de jeu énorme. On ne veut pas des gens qui se connectent une fois tous les 3 jours. On ne peut pas. C'est trop limité. On serait 200 dans le clan. On s'en foutrait. Vous jouez comme vous voulez. Mais là, on est obligé d'avoir des joueurs réguliers pour avancer. Il va y avoir les guerres des clans bientôt, etc. On ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui ne sont pas là. Donc moi, si tu ne joues pas pendant 24 heures, je kick. Je suis très franc avec toi. Ce n'est pas le but de péter plus haut que son cul. C'est que c'est une communauté. Tout le monde travaille dur. Ce n'est pas pour que des gens ne jouent pas pendant 3 jours. Hein. C'est une question de respect. Et il y a plein d'autres guides qui seraient peut-être adaptés au niveau du joueur. Voilà. Donc, si tu es level 40 plus et que tu joues beaucoup et que tu comptes t'investir dans le jeu, tu es le bienvenu, postule, on est super cool, on s'entraide, voilà. Ok, première chose, donc l'enclave, comme tu peux le voir, c'est bien ce qui est en vert. Tu peux faire comme ton domaine,
Donc tu peux mettre des droits. Qui fait quoi? Qui fait quoi? D'ailleurs, c'est buggé, c'est en japonais chez nous, en coréen. Et tu peux agrandir ton enclave. Et comme tu peux le voir, là, je suis à 21 sur 21, donc je ne peux pas agrandir beaucoup plus. Et ça me coûte 50 000 pièces pour agrandir. Donc ça coûte un bras. Ok? Placer là intelligemment l'enclave, de façon à ce que tu puisses l'agrandir, que tu as assez de place, parce que ça va monter quand même, selon les niveaux de clan, ça va quand même bien monter. Regarde, tu passeras au mieux à 72 enclaves. Donc c'est énorme. Là, pour information, on est à 21. Donc 72, c'est le triple. Donc gardez bien de la place. Nous, tout notre... moi, c'était mon idée, en fait, tout mon délire, ça va être de construire l'enclave comme ça, là. Clac, tu vois. Tout là, tout ça, c'est pour nous. Et du coup, on est protégé, entre guillemets, par les rochers qui sont là. Protégé, c'est un grand mot, puisque personne ne peut venir t'attaquer, mais dans le sens où, voilà, c'est cohérent, c'est propre, c'est structuré, on va mettre nos clôtures. Et on essaie de se mettre en situation, voilà, comme si c'était une guerre de clan. Et là, il y a tous nos domaines. Donc déjà, on va passer par là. Bim, là, on mettra des jolies clôtures, on mettra des murs, on mettra des tours. On va faire un truc sympa, là, que ce que tu vois pour l'instant, c'est un truc à l'arrache. C'est normal. Et là, on a su qu'une qui nous prévient qu'il part en vacances. Donc c'est bien, tu vois, il y a une bonne mentalité. Donc je ne vais pas être court pendant ces 10 jours. Donc je vais lui dire. Ce que je te propose, c'est que tu laisses ta place et que l'on te reguilde à ton retour. Comme ça, on perd pas d'XP. Voilà, c'est très franc, il n'y a pas de chichi. Comme ça, on perd pas d'XP. Voilà, c'est très franc, ça plaît pas, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on avance tous ensemble, que tout le monde participe et on avance. Voilà. On partage, on s'entraide, c'est un bon clan et une bonne ambiance. Là, on est en train de construire un nouveau bâtiment de clan. Et c'est l'entrepôt où tu peux mettre. Ben, tout le monde va pouvoir stocker les objets dedans. Donc ça va être super sympa. Ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez. Nous rejoindre, il nous fait, ben j'espère, t'inquiète. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez nous rejoindre, vous me contactez over Good TV, 1519 pour la fréquence. Là, vous avez les niveaux du clan. Donc voilà. Donc en gros, c'est pas si compliqué que ça. Hein. L'île domestique, c'est ton coin à toi, tu fais ce que tu veux. Garde en place que bon, bah, fais un peu de place quand même sur ton île, que ça soit propre et que ça te plaise, que ce soit ton image, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Fais bien attention à bien modifier les droits. Ça m'est arrivé, les gars, je suis très franc, je n'ai pas de honte à le dire. Il y a un connard, il est venu, je lui avais laissé les droits sans faire exprès, j'avais oublié de les enlever, il a tout détruit chez moi. Voilà. Mais d'un côté, c'est positif puisque j'ai pu reconstruire et mieux me placer. Donc, modifie bien les droits, choisis bien qui fait quoi. Et voilà, d'ailleurs ce joueur, je vous le préviens au cas où, c'est le joueur Dark Soul. Fuyez-le comme la peste. L'île civilisée, c'est l'endroit où tout le monde peut aller. Tout le serveur peut y aller. Donc pense à faire un petit coin sympa, mais garde en tête que d'autres personnes peuvent aller sur l'île. Donc c'est là où je te conseille de bien réfléchir, bien positionner ton enclave et ton domaine. Donc tu mets ton domaine et à côté, tu mets l'enclave, comme nous, hein? Pour rappel, le vert ici, tout là, sur la minimap en haut, c'est l'enclave. Le bleu ici, c'est mon domaine. Et tout le orange autour là-bas, c'est le domaine des autres joueurs. Et là, le but, c'est de tous se réunir ici, de faire un joli coin, des petites maisons. Alors, on va faire un truc super sympa hein, avec des tours. Et on va mettre des petites tours de défense, des petites clôtures, on va mettre des champs. Tu vois, on peut vraiment tout faire, c'est SimCity, quoi. Voilà. On a fait le tour. Les avant-postes, c'est ce qui va arriver dans les guerres sauvages. Donc, quand on y sera, je te ferai un tuto dessus avec plaisir. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que j'aborde en vidéo. Dis-moi où tu en es dans le jeu. N'hésite pas à me contacter si tu veux rejoindre notre clan. Hein, je pense qu'on est dans les premiers FR sans souci, je pense, facilement. On a une bonne ambiance. Je suis strict, certes,
Parce qu'il faut avancer, faut qu'il y ait une cohérence. On ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui ne jouent pas et qui ne participent pas. Hein. Pour rappel, on est limité, on n'est que 20 sur 20. Donc si tu as 10 joueurs qui ne jouent pas, tu pénalises tous les autres. Voilà. Le but, c'est qu'on soit ensemble, qu'on s'entraide, mais on a quand même besoin de joueurs réguliers. Donc si tu es level 40 plus, n'hésite pas à postuler et tu seras la bienvenue. Voilà, je te dis à bientôt. Dis-moi en commentaire où tu en es, ce que tu en penses, si tu as des idées. Voilà, ciao ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.